là, on arrive. Thank you.
Temps du cinéma, tout n'était que grisaille et silence, muet et noir et blanc. Un jeune metteur en scène, Gérard Bidault, né natif des Herbiers, m'invita sur son tournage. Moi, le mime couleur soleil, travaillant dans mon cirque tzigane les restes de mon enfance. On m'appelait Mimosa. Je voulais faire du cinéma. C'est ici que je la vis pour la première fois, l'étoile au prénom de Braise, Carence. Gérard était convaincu que si nous nous aimions, l'étoile et moi, d'un amour sincère devant l'œilleton de sa caméra, alors seulement le cinéma pourrait devenir parlant et coloré. Mais elle voulait un héros. Je n'étais qu'un mime grimaçant. Pour elle, j'ai tout sacrifié, jusqu'à mes jambes qui ne me portent plus. Je l'ai fait par amour, pour lui rendre sa voix et ses lèvres rouges Carence. On m'appelait Mimosa. Je voulais faire du cinéma. Mesdames et messieurs, notre réalisateur Gérard Bidault a bien voulu vous accorder le privilège d'assister à titre tout à fait exceptionnel au tournage de son film Le Mime et l'Étoile. C'est un film muet, veuillez donc s'il vous plaît respecter le silence. Notre pianiste orchestrion imposera au personnage un timbre et une humeur. Et les dialogues s'inscriront sur les décors devant vous. Ah, voici Gérard Bidault, notre réalisateur. Mes chers amis, je ne suis pas venu ici réaliser un film, mais un rêve. Le rêve de donner enfin au cinéma une couleur et un son. Regardez mes personnages. Ils ont un visage comme vous, une voix comme vous. Et pourtant, en ce printemps 1914, le cinéma les condamne au muet et au noir et blanc. Si seulement ils s'aimaient... Monsieur, notre étoile Garance est prête et le mime Mimosa a terminé ses échauffements. Ah, bien, bien. Garance ? Mimosa ? Ils ne peuvent pas vous répondre, monsieur. Le cinéma est... muet. Action.
film Mimosa. Hein? Et pourquoi donc? Coupé! Que se passe-t-il? Pardon, monsieur, j'apporte une lettre pour Mimosa. Une lettre? Mais vous avez brisé mon rêve. Mon rêve de leur donner une voix et un visage. Le mime et l'étoile allaient s'aimer. Ils avaient presque déjà dit adieu au noir et blanc. Que tout le monde quitte le plateau, s'il vous plaît. Nous reprenons le tournage. Chère Garance, je m'en vais à mon destin. J'aurais tant voulu voyager avec vous pour la vie dans mon manège de rêve. Devant ce monument aux morts, le président Georges Clemenceau, Vendéen illustre, m'a confié l'honneur de vous distinguer. En ce 11 novembre 1920, c'est la France qui vous regarde. Vous, le mime de cirque, vous avez fait danser l'ennemi, car vous avez été un pilote d'un courage inouï. Alors que votre avion avait pris feu, vous vous balanciez dans les flammes en hurlant « Pour Garance !» C'est donc
une grande fierté pour moi, capitaine de l'Âtre, de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Laissez-moi maintenant. Je ne suis que l'ombre de ce que j'étais. Je croyais que vous ne reviendriez pas, Mimosa. Je ne suis pas revenu. Mimosa est restée là-bas. Non, Mimosa. Vous êtes revenu en héros. Vous êtes devenu un héros. Peut-être, mais un héros sans figure. Au contraire, vous êtes la figure du héros dont je rêvais. Non, Garance, je ne peux plus vous faire rêver. Non, Mimosa. Je vous aime. Depuis le premier instant, depuis votre campement de cigane, depuis votre violon qui était votre voix. Je vous aime, Mimosa. Mais je ne le savais pas, car je ne savais pas rêver avec vous. Venez, venez rêver avec moi. Mimosa l'aviateur, venez. Mais Garance, regardez-moi, je ne peux plus. Mais bien sûr que vous pouvez. Revenez à vos rêves d'enfant.